Hey, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Cette vidéo est une suite, on va dire, de celle que j'ai montée il y a de cela 2 ou 3 jours déjà, qui est déjà disponible d'ailleurs sur la chaîne. Comment monter une belle vidéo YouTube, Instagram, avec logiciel, soit avec application sur un téléphone. La vidéo va s'afficher certainement de ce côté-ci, ou soit de ces côtés-là. C'est une suite, on va dire, logique de la vidéo précédente déjà, dans laquelle je parlerai de la visibilité ainsi que de comment avoir beaucoup, alors beaucoup d'abonnés en si peu de temps. Au jour d'aujourd'hui, la famille, YouTube reste peut-être le 2 ou le 3e, on va dire, plateforme, soit moteur des recherches de tout le monde carrément. Une fois tout le monde a besoin de trouver un truc sur le net, soit c'est Google, soit c'est Yandex, soit c'est YouTube. Par cette vidéo, j'aimerais vous faire comprendre que sur YouTube, on trouve des tonnes et des tonnes de vidéos. Alors, la seule chose qui pourra vous différencier d'autres YouTubeurs, certes, il y a beaucoup de personnes qui pourront vous dire qu'il faudra travailler son style pour faire de belles vidéos, faudra travailler sa miniature, faudra travailler également ses expressions, mais laissez-moi vous dire que cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, pourquoi? Parce qu'une vidéo YouTube est un ensemble de choses, c'est un cocktail, on va dire, de certaines bonnes choses pour en faire une vidéo. La vidéo ne se limite pas simplement à la publication. J'aimerais vous dire, une fois vous tournez votre vidéo telle que je suis en train de le faire, la partie post-production, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, est une partie, on va dire, sensible, parce que c'est grâce à elle que votre vidéo peut nécessairement être bien visible aux yeux et aux yeux de tout le monde, soit bien référencé également. Grâce à quoi? Grâce au tag, on va dire. Grâce au tag. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, YouTube reste la 2e, soit la 3e, on va dire, plateforme de recherche, après Google, bien sûr. Donc, si une personne a besoin de trouver rapidement un truc, la personne se lance sur YouTube et en moins de 2, en moins de 5 minutes, la personne a tous ses dons qu'il a besoin. Certes, il y a plus d'informations possibles, mais le vidéo qui atterrit rapidement sur le moteur de recherche YouTube, ce sont des vidéos qui sont bien référenciées par rapport au tag. Le tag, ce sont des mots de référencement, c'est-à-dire comme YouTube est en quelque sorte un moteur de recherche, il faudra certainement faire de vidéos pour répondre aux questions. Il faudra apporter, on va dire, de la plus-value dans vos publications. Il faudra apporter, on va dire, de l'authenticité, bien sûr, mais c'est que le genre recherche, on va dire, répondre aux questions que beaucoup peuvent également s'adonner sur YouTube. Beaucoup de questions que les gens peuvent se poser sur YouTube. Alors, votre vidéo sera en quelque sorte comme une vidéo réponse. Répondre aux questions des autres permettra de vous hisser, on va dire, au sommet. Et par ricochet, votre vidéo sera bien référenciée grâce au tag, bien sûr. Le tag à utiliser sont beaucoup plus des questions. Par exemple, comment faire de vidéos? Comment, on va dire, gagner des abonnés? Comment faire telle ou telle recette? Cela dépend en tout cas de ce que vous faites sur votre chaîne. De sujets sensibles, de thèmes débutant par de questions, vous serez bien, alors bien référencié. Genre de comment, genre de top, genre cliquez ici si cela vous intéresse. Ce genre d'astuces vous permettra également d'être mieux référencié et de jouer sur votre visibilité pour être mieux classé. Vous pouvez avoir beaucoup, alors beaucoup d'abonnés, mais peu de vues. Pourquoi? Parce que votre vidéo, elle est mal référenciée. La vidéo, elle ne se limite pas simplement à la publication, à la partie post-production. Quand vous postez votre vidéo, vous devriez vous rassurer, bien sûr, qu'elle est très bien, alors très bien taguée pour mieux être hussée, pour mieux être promotionnée sur YouTube. Certes, YouTube ne promotionne que de gros YouTubeurs, des personnes ayant déjà une visibilité accrue, mais vous également, ce n'est pas impossible que vous soyez bien, alors bien référencié par rapport au tag. En parlant de miniatures, ne vous cassez pas la tête à jouer, on va dire, aux informaticiens pour mieux faire une miniature attirante et tout, dès lors que le sujet, le contenu ne reflète pas la miniature. Beaucoup de personnes se limiteront à regarder votre vidéo, on va dire, après 20 secondes et de la quitter parce que le sujet ne concorde pas à la miniature. La miniature est un élément très important. D'ailleurs, grâce à cette miniature, il y a beaucoup de personnes qui peuvent cliquer sur votre vidéo. Et surtout, si la miniature, elle est putaclic, je m'explique.
C'est une miniature genre trompe-l'œil. Ça ne reflète pas le sujet de la vidéo, mais on la poste simplement pour attirer l'attention. Ça marche dans tous les cas, mais si votre réputation elle est basée sur ça, sur ces genres de tromperies, sachez que YouTube ne va pas vous référencer comme il le faut. Et sur quoi vous ne gagnerez absolument pas d'abonnés. Et certainement la famille, pour gagner beaucoup plus d'abonnés sur YouTube, la magie, ce n'est que de rester actif. Rester actif, c'est-à-dire poster très souvent des vidéos, répondre aux commentaires, interagir avec vos abonnés, c'est très très important. Moi, depuis un certain temps, en tout cas, je ne postais plus de vidéos, je comptais plus ou moins 500 abonnés. Mais dès lors que je postais 2 ou 3 vidéos, j'ai réussi à réunir 50 abonnés. Et au jour d'aujourd'hui, je compte plus ou moins 150, on va dire, abonnés que j'ai pu réunir grâce à mon interaction avec mes abonnés, grâce aux posts, on va dire, de tout le jour, ainsi que aux questions, bien sûr, des abonnés qui ne cessent de me poser. Et j'ai interagi avec eux, raison pour laquelle tout est bon maintenant, je gagne en abonnés. Donc le secret est de rester actif et de toujours faire de vidéos, on va dire, après 2 jours, soit tout le jour. Cela dépend également de la hausse de votre activité, bien sûr. Donc soyez actif sur le réseau. D'ailleurs, vous gagnerez beaucoup plus, on va dire, en visibilité dès lors que l'interaction se fait d'une manière normale avec vos abonnés, bien sûr. Je me répète, cher ami. Pour avoir une visibilité, comme je l'ai dit tantôt, il faut mieux référencer vos vidéos grâce au tag, bien sûr. Le tag, c'est très très important pour référencer votre vidéo afin d'avoir de la visibilité, on va dire, sur YouTube et de se créer de la place. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'abonnés pour avoir une visibilité. Ça ne marche pas ainsi. Il faudra que vos vidéos soient mieux référencées pour avoir beaucoup plus de visibilité possible. Et pour gagner d'abonnés, il vous faut impérativement de rester actif sur le réseau, de travailler mieux vos sujets ainsi que votre miniature surtout. Il faudra que la miniature ressemble au sujet. Ne faites pas du putaclic parce que votre réputation en dépend. Donc voilà d'une manière générale. J'aimerais également attirer l'attention de débutants surtout, hein, ceux qui débutent sur YouTube et qui me posent la question: quel sujet est propice, on va dire, au développement d'une chaîne ou d'une autre. Je vais vous répondre catégoriquement: choisissez un sujet qui vous met à l'aise. Vous faites du sport, alors parlez du sport. Vous faites très bien la cuisine, vous êtes une bonne cuisinière, soit un bon cuisinier, un chef étoilé, parlez-en. Parlez de choses qui vous passionnent. Sinon, vous risquerez de vous estomper en si bon chemin. Vous allez débuter, mais vous allez contracter très vite le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire un trou noir. Vous ne saurez plus trouver de sujet parce que votre thème à vous serait du copier-coller. Restez vous-même, soyez naturel. Je pense que tout ira très bien pour vous du moment où vous vous donnez à fond sur la chose. Bref, je pense que j'ai tout brossé de ce côté-là. Si vous atterrissez nouvellement sur la chaîne, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Activez la cloche pour recevoir toujours de vidéos en temps et en heure. Laissez plein de pouces bleus. Je suis en gants, pourquoi? Parce que c'est le déconfinement, mais certaines restrictions sont toujours respectées. Et d'ailleurs, j'ai mon masque avec moi. Je tourne cette vidéo dans un parc. Moi, c'est Vimaoete. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.